Bonjour, je m'appelle Elsa Brûlé, j'ai reçu le deuxième prix Jeune Agriculteur 2017. Ici, nous nous trouvons à Bragelonne, Bragelonne-Beauvoir. Je cultive 52 hectares de céréales protéagineux et oléagineux, donc pas seulement du blé. Alors, c'est une toute petite surface, c'est pour ça qu'on a choisi de faire de la diversification à côté. Et ici, nous nous trouvons dans l'atelier de fabrication des pâtes. Si je ne faisais pas de diversification, au niveau économique, ça serait complètement déséquilibré. On part notre semoule, 5 kg dans les seaux. On ajoute la quantité d'eau qui correspond suivant la forme des pâtes. On obtient une texture un petit peu crumble. Donc le mélange passe dans la vis d'extrusion. Donc on répartit les plateaux, il y en a 25 dans le séchoir. Et c'est parti pour le cycle de séchage qui dure entre 16 et 20 heures suivant la forme des pâtes. On est en conversion vers l'agriculture biologique. On utilise un moulin à meule de pierre. Donc derrière, il faut qu'aussi en termes de fabrication, on sèche lentement pour que la chaleur ne détruise pas les précieuses molécules qu'on s'est appliquées à garder depuis le début. Au début, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec du blé. Donc la première chose, c'est du pain. On pouvait faire des pâtes à la ferme. Donc là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Étant donné que c'est un produit qui n'existe pas non plus sur le territoire, ça semblait tout indiqué. La réalisation du projet a pris 2 ans. En ce qui concerne les pâtes, il n'existe pas vraiment de formation. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller en visite chez les gens. Alors aujourd'hui, après un peu plus d'un an d'activité, on a 4 formes de pâtes. On peut venir les acheter ici en direct à la ferme, soit en sachet comme ce qu'on voit derrière moi, soit en vrac, donc au kilo. Et puis évidemment, il y a un certain nombre de revendeurs qui sont dans le département. Les pâtes plaisent, elles ont énormément de succès, les gens les aiment, les gens reviennent les acheter. Donc pour nous, le pari est gagné. À moyen terme, moyen long terme, suivant l'évolution de l'activité, ce qui est prévu, c'est de créer au moins un emploi. Ici, il faut travailler dans les vignes ou dans les champs, ou voir une profession libérale, mais c'est très limité. Et si je pouvais donner la possibilité à quelqu'un qui a envie de rester en milieu rural, de pouvoir travailler en milieu rural, évidemment, ça me ferait plaisir. Et puis pour le côté humain aussi, de pouvoir avoir un collègue de travail. Et aujourd'hui, dans un contexte agricole difficile, je m'aperçois que les activités où il y a une petite surface, de la transformation, de la vente directe derrière, ce sont des activités qui sont bien plus rémunératrices qu'une activité agricole classique, de culture de céréales avec vente en coopérative et des prix qui sont trop bas et puis des conditions aussi sanitaires qui arrivent un petit peu à bout des possibilités des terres. L'avantage d'avoir une activité de diversification telle que celle que j'ai mise en place avec les résultats que ça a donné, en lissage sur toute l'année, j'ai un revenu régulier déjà seulement au bout d'un an, un petit peu plus d'un an, et ça pour le bien-être économique de l'entreprise, c'est quand même prometteur puisqu'il y a une stabilité financière dès le départ.